Bonjour à tous, ici Harry Balzo Magnifique et nous voici pour l'épisode 11 de This War of Mine. Dans le dernier épisode, Katia était morte, Bruno était mort dans l'épisode d'avant, donc nous sommes plus que deux. Et nous avons été deux dans le dernier épisode, tout le long du dernier épisode, Pavel a déjà repoussé des bandits à lui tout seul. Et nous sommes plus que les deux opposés, donc l'homme robuste qui s'appelle Boris et l'homme rapide qui s'appelle Pavel. C'est-à-dire que je devrais toujours les alterner au niveau de la garde ou au niveau de qui part collecter pour éviter qu'ils ne soient trop fatigués. Donc voilà, et dans le dernier épisode aussi, nous avions été dans un entrepôt rempli de bandits et nous avions failli nous faire capturer parce que le bandit nous avait vus et nous sommes cachés au dernier moment, nous avons pu fuir, heureusement. Nous avions qu'un simple couteau, lui il avait une mitraillette, et je savais pas comment le tuer. Donc je vous conseille l'épisode hein, si vous voulez un peu avoir peur. Bon allez, c'est parti, on continue. Alors, du coup, Pavle, qu'est-ce que t'as? Toi, t'es triste, t'as besoin de repos. Du coup, tu vas à ta faim aussi. Bah, va manger ça. Toi, t'as faim ou pas? Bah ouais, tu vas manger le reste alors. Hop, toi, oui, toi, je voulais te dire, tu vas voir si tu peux pas améliorer l'atelier. Voilà. Et pour améliorer l'atelier, il me faut 32 matériaux de composants. D'accord, et je pourrais peut-être faire d'autres trucs plus intéressants du coup. La radio, je sais pas si. Non, apparemment, elle peut pas être améliorée. Ça, comment on fait pour l'améliorer? C'est juste, il me faut un mixeur. D'accord. Et je me demande à quoi ça sert d'améliorer le four. Ah, le four, je peux l'améliorer. Un poêle plus efficace, il nous permet de cuire la nourriture plus effective. Ah, d'économiser le combustible. Mais c'est intéressant ça. Ben, je vais faire ça. Tu veux dire que j'aurai beaucoup besoin de matériaux dans le prochain épisode. Toi, tu vas manger ça. Voilà. Ça veut dire que dans le prochain épisode, dans la prochaine expédition, je vais miser pour trouver du matériau surtout. Parce que j'en ai pas du tout. Et la nourriture, pour l'instant, j'ai. Là, du coup, j'aurai un poêle beaucoup plus efficace pour faire cuire la nourriture qui me reste. Voilà. Ça fait un moment que je n'ai pas dormi. Oh, monsieur, t'as dormi il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ah, voyons voir maintenant comment il est le poêle. Alors, je peux faire cuire avec un seul combustible. Ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je vais me faire du coup pas mal de combustible. Simplement parce que je vais remplir le poêle. Alors, mon objectif dans le prochain épisode. Alors, c'est de essayer de améliorer ce poêle. Parce que vous voyez que même si j'ai du bois dedans, il fait vachement froid. Du coup, je vais essayer de l'améliorer pour pouvoir augmenter donc la température. Essayer d'améliorer ça aussi. Ne perdons pas espoir. Allez, toi du coup, tu vas te coucher. Voilà. Je vais essayer d'améliorer ça. Donc ça, l'atelier. Là, je voulais me faire un filtre pour pouvoir faire le truc en haut. Et je ne peux pas parce que je n'ai pas assez de matériaux. D'accord, bah tant pis. Et toi, tu vas aller voir la radio avant d'aller te coucher. Hop. Les cigarettes et le tabac font désormais office de devise à Pogoren. Cependant, la ville sera bientôt à court. Que se passera-t-il quand il n'y en aura plus du tout? Les températures vont fortement baisser. On attend de la neige dans le sud-est de Gravnavia. Ça, on l'avait déjà lu. Les gens fouillent les rues. Ça, on l'avait lu. Et là, c'est la musique rock. Et de l'autre côté, normalement, il n'y a rien de spécial, non. Je vais mettre la musique classique. Bon, ça remonte un petit peu les degrés, mais le poêle, il n'est pas très efficace. Je vais regarder qu'est-ce qu'il me faut pour pouvoir améliorer le poêle. Mais je crois qu'il me faut un thermorégulateur, un truc du genre. J'allais regarder vite fait. Du coup, il me faudra. Faut que je fasse un petit peu une liste des courses. Il me faudra déjà pas mal de matériaux. Plus que 18, il me faudra un thermorégulateur. Après, il me faudra. Je vais m'améliorer ça, du coup. Pour l'instant. Pour pouvoir me faire plus d'objets qui pourraient m'être utiles, possiblement. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il me faudra pour améliorer ça? Il faudra beaucoup de matériaux. Et il faudra que je reprenne du bois, sinon je vais en manquer. Et c'est tout. Du coup, il me faudra plus de 28 de matériaux. Donc, il est possible que j'envoie Boris, parce que Boris peut prendre plus de trucs. Tiens, attends, pardon Boris, mais là, il y a de la nourriture, donc tu vas la prendre. En tout cas, c'est cool. Je peux économiser les combustibles avec... Avec l'amélioration du four. Enfin du truc. Hop. Donc tu vas remettre de la nourriture pour pouvoir choper d'autres animaux.
Voilà, vas-y, va te coucher maintenant. Putain, il fait froid quand même, même avec la poêle. 11 degrés, c'est pas de tout repos. Allez, terminer la journée. Alors, du coup, celui qui va partir collecter, ça va être Boris. Boris, donc tu peux partir dans l'hôtel. Qu'est-ce qui se passe? Ses premiers jours ont fui la ville juste avant. Quelqu'un a emménagé récemment et a déclaré avoir de quoi troquer. Il a peut-être des choses utiles pour nous. Oui, effectivement. Alors, j'ai une idée. Hop, je vais aller là. Je vais prendre un couteau au cas où. Non, c'est pas ça. Le couteau, le couteau, le couteau. Le couteau au cas où. Et je vais prendre pour troquer de la nourriture. Parce que j'ai énormément de nourriture et que j'en ai pas besoin d'autant. Voilà. Et du coup, je vais me prendre aussi. Non, ça j'en aurais besoin, j'avais vu. Ça peut m'être utile, je sais pas. Le reste, je vais le garder. Et une lame de scie au cas où. T'as jamais voix qui part, c'est pas grave. Autrefois noble et radieux, il n'est plus que l'ombre de lui-même, tout comme nous. C'est quoi? Comment il s'appelait? Non, hôtel, d'accord. C'est un hôtel qui s'appelle hôtel. Hop. Apparemment, il y aurait quelqu'un qui aurait emménagé, donc. Ah, bonjour. Hé, étranger, vous voulez échanger? Allez au premier étage. Pas de problème. J'irai échanger après. J'ai pris de la nourriture, de quoi échanger, donc. Putain, vous avez laissé beaucoup de choses par ici, monsieur. Oh. T'évites de défoncer tout. Saleté de vermine! Je croyais qu'il parlait à moi, mais non, c'est les rats en fait. Hop, hop. Bon, j'ai quelques matériaux, mais c'est pas fameux. Bon, sans, je fous ce qu'il y a là, c'est pas. Là, je les vole pas, donc tout va bien. En tout cas, je suis content de trouver des trucs d'armes parce que ça va m'être utile. Je vais peut-être pouvoir me faire une hache. Là, je peux partir d'ici? D'accord. Ok, ben je vais monter à l'étage. Allez, vas-y. Allez, Boris. Hop, bah attends. Si tu peux monter par là, du coup, va fouiller ça. D'abord, je fouille tout. Et après, je vais faire l'échange, en fait. Le tabac, le jouet. J'ai déjà. Enfin, j'ai besoin d'un petit peu de. Impossible d'ouvrir. Merde. Ça veut dire que là, ils ont bloqué l'accès par ici. Voyons voir s'il y a des trucs à fouiller en haut. Ouais, il y a ça. Là, je pense pas que je pourrais y accéder en sautant. En haut, oui. En haut, je pourrais y accéder en sautant. Du coup, je pense que je pourrais descendre par là. Peut-être qu'en fait je vais rien échanger pour cette fois-ci. Mais je vais voir du moins ce qu'il a. Si je vois qu'il a beaucoup de matériaux ou des trucs du genre, ben je vais changer ça avec lui. Tout cas, j'ai pas besoin d'autant de bois, donc je verrai ça après. Allez. Alors, on va voir ce qu'ils ont. Alors là. Et là, lame de scie pour pouvoir les voler. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux voler personne. Qu'on soit d'accord. Bonjour monsieur. Hop hop hop. Ah putain, il est rempli mon inventaire. C'est génial. Hop. Hop. Tu vas passer par là du coup. Ah, d'accord, oui, d'accord. Il y a une grille, mais je peux la découper. Je sais pas. Je vais peut-être passer par le bas. Peut-être plus sage. Le garde reste. Pour plus tard. Alors, la porte est grillagée, mais je peux passer avec ma lame de scie. Ah oui, bah. Non, 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 non. Oh. Allez, redescends. Bon, ok. Là, je vais passer par le bas. Par hasard, il peut pas sauter par là? Ah, il peut passer par là.
Ok, bah descends tout en bas. Hop, tu vas monter là. Ah bah défonce les portes si tu veux aussi. Non, là c'est pour les voler. Je veux pas les voler moi. Ah, voilà. Attends, je vais juste. Hop, oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que t'as à me vendre toi? De la nourriture, t'as des matériaux à me vendre, t'as des livres. Alors, ce que je vais te vendre, moi, ça va être tout ça. Voilà. Alors. Trois de nourriture avec quatre de bois. Voilà, comme ça de matériaux. Je sais qu'il m'en faudra beaucoup plus des matériaux que ça. J'ai pas besoin de bandages pour l'instant, mais j'ai envie d'en prendre un en fait. Mais voilà, je verrai ça après. J'ai un couteau que je peux lui vendre. Ma lame de scie. Non, lame de scie, je vais pas lui vendre. Il me semble que le tabac ça vaut vachement cher. Bon, du coup. Est-ce que je peux avoir une cigarette, un petit truc à la con en plus? Genre une graine de café? Un crochet? Non. Je sais que le sucre ça vaut cher. J'ai une idée. Non, non, c'est bon, c'est bon. Je crois que ça va être bon. Niveau marché, je crois que c'est bon. Alors, attends, voyons voir juste sac à dos. Qu'est-ce que t'as? D'accord. Je vais dégager cette. Non, non, j'ai pas besoin de la dégager. Je vais monter à l'étage pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs à piller. Enfin. Non, là ils ont tout pillé. Montons encore. Chez nous, c'est chez nous ici, dehors. Mince. Pardon, je ne savais pas. Hop, allez, descends. Allez, on va courir vers la sortie. Au revoir. Putain, je savais pas que la nourriture valait aussi peu cher. Chargement. Jour 27. Toujours Pavle, tout va bien. Je trouvais plein de trucs vraiment chouettes, quelle nuit! Nous avons été pillés. Alors, quelqu'un a essayé de nous voler. C'était un groupe dur à cuire, mais nous avons réussi à les repousser. Par chance, nous étions tous armés. Pavle a été blessé, mais les agresseurs n'ont rien volé. Nous devrions peut-être plus monter la garde. Alors. Voyons voir ce que je peux faire. Oui. Je voulais voir pour les légèrement malades. On va prendre ça. Hop. Toi, tu vas regarder là. Du coup, on peut se faire un filtre. Donc, je vais m'en faire un. Je vais me faire un petit filtre pour pouvoir survivre. Voilà. Et puis, toi, du coup, tu vas monter à l'étage, là. Même si t'es légèrement blessé, ça devrait aller. Qu'est-ce qui me manque pour pouvoir évoluer? Il me manque 20 matériaux et pour pouvoir m'évoluer. Ah, tiens, là, je peux récupérer ça. Je crains que nous ayons juste de la chance lors de l'attaque. Et si le prochain gang est plus fort? Hop, voilà. Toi, tu vas regarder là. Fertilisant, je vais le faire avec un, voilà, comme ça. Tu vas aller mettre du bois ici. Pavle, 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 tu vas aller me visionner. Alors, je réfléchis. J'entends des chiens, je sais pas si c'est chez moi ou si ça. Si c'est dans le jeu en fait. Du coup, c'est pour ça que je suis un peu silencieux. Ça a l'air d'être dans le jeu.
Ouais, je pense que c'est dans le jeu. Suite à de lourdes pertes, l'armée s'est repliée sur ses précédentes positions et a de nouveau adapté la stratégie consistant à éviter toute confrontation directe. Se déplacer dans la ville devrait à nouveau être possible. Ah, mais c'est cool. Parce que vous savez que vous avez vu que je pouvais pas aller visiter beaucoup de bâtiments parce que voilà. J'étais un petit peu limité par le truc. Par les confrontations, voilà. Bon, mais je crois que c'est bon niveau. Niveau truc, on a tout fait. Parce qu'il nous faut beaucoup plus de matériaux et de trucs comme ça. Et il fait 7 degrés, et du coup, il me faut un thermorégulateur absolument. Alors, de légères blessures, toi tu vas monter la garde. Toi tu vas partir collecter encore. Je suis désolé, mais voilà. Alors, ce que je voulais aller visiter, c'était le chantier en construction. Cela devait devenir un quartier résidentiel de luxe et il y avait un grand battage publicitaire autour des appartements. Ou sinon, c'était quoi déjà? C'était truc que je voulais visiter. Attends, c'était l'église, voilà. L'église Sainte-Marie était connue pour le travail du charitable du prêtre Olek. Cependant, l'église a récemment été dévastée et le destin du prêtre est incertain. Nous devons nous attendre à des tonnes de décombres, une pelle pourrait nous être utile. Un groupe d'hommes armés a occupé maintenant le bâtiment. Alors, je crois que je vais aller au chantier. L'armée a repris le contrôle de cette zone aux rebelles. Nous pourrons peut-être partir collecter ce que les rebelles ont laissé derrière eux. Nous risquons de tomber sur des patrouilles militaires. Voilà. Je vais aller là. Et je vais prendre donc une lame de scie, un couteau et un crochet, je sais pas. Pire, je prends un crochet, je prends pas le couteau. Un pied de biche, pardon. Pff, je suis con. Oui, parce qu'avec le pied de biche, je peux aussi attaquer. Donc, c'est pour ça que c'est peut-être. C'est une double. Bonne affaire. Merde, j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans en fait. Un petit peu con. Bon, d'accord, cours si t'as envie de courir. En bas, qu'est-ce que j'ai pu avoir laissé? Hop, je vais descendre doucement, je fais pas beaucoup de bruit aussi. Hop. Là, il n'y a rien. Ah! J'avais laissé ça. Parce que je n'avais pas de lame de scie. Et ça fait beaucoup de choses. La porte est grillagée, mais je peux passer avec ma lame de scie. C'était justement mon but, tu vois. Hop, la lame de scie, le problème c'est qu'elle se casse dès qu'on l'utilise. Mais du coup, ça fait que j'ai beaucoup plus de place dans mon inventaire. Enfin, j'en ai eu un de place de plus, quoi. C'est pas énorme, mais ça fait c'est déjà ça, hein, maintenant que. Alors, oh, des médocs, ça c'est génial. Il me faudrait des bandages si possible. L'odeur de décomposition est insupportable. Ces cadavres doivent dater de plusieurs mois. Ils tombent en miettes. Certains ont des trous de balles à la tête. Mais ne présente aucun autre signe de violence. S'agissait-il de rebelles tués par l'armée? Des prisonniers abattus par les rebelles? Quiconque a fait ça a essayé de masquer son crime en inondant la cave. Peut-être avec l'intention d'entraîner l'écroulement du bâtiment et d'enterrer les preuves sous les décombres. Ah ouais, il y a des cadavres par ici. Ah oui, je vois là. Là, c'est un petit cadavre. Oh, mais c'est génial! Genre, tu sais, je vais être riche en médoc, quoi, d'un coup. Et en matériaux, c'était exactement ce qu'il me fallait. Et bien voilà, la richesse. La richesse, monsieur, la richesse. Je l'ai eu. Grâce à une lame de scie. Alors, après, je vais voir ce que je peux trouver plus en haut. Là, je vais commencer à aller plus doucement. Enfin, je vais encore monter un étage, puis je vais commencer pour aller plus doucement parce que. Allez, musique. Je me demande si je peux passer par là ou si c'est toujours bloqué. Hop. Normalement, je peux passer. Je crois que je l'avais débloqué la porte, mais je suis pas sûr. Ah non. J'entends des bruits ou pas? Je crois pas. Hop, vas-y. Ça, je l'avais déjà lu, donc tout va bien.
En fait, si j'arrive à atteindre l'autre côté par là-bas, je pourrais descendre beaucoup plus rapidement. Tu vas aller me choper ça. Apparemment, il y a de la nourriture par ici, donc je les crois dès qu'ils disent qu'il y a de la nourriture. Alors, des matériaux. C'est génial tout ça. Contre quoi je pourrais poser pour avoir plus de matériaux? Je ne sais pas, la technologie, je crois, j'en ai pas mal. Hop, voilà, ça m'en fait 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Ce qui fait pas mal beaucoup, voilà, entre nous. Là, je peux passer par là. Vas-y doucement. Mais il a l'air d'avoir personne. Donc là, j'imagine que tu peux descendre. Ah merde, c'est fermé. Bah descends du coup. Hop, je suis en train d'essayer d'écouter. Ah bah c'est la fin, bah, ça y est, je suis redescendu, descendu. Voilà. Bon mais tout va bien. Ok, la prochaine fois j'irai piller ce qui reste au niveau des... Enfin je ferai le grand tour en espérant que je trouve pas des patrouilles de l'armée. Boris est de retour. Il commence à faire très froid. Bonjour, regardez un peu tout ça. J'aimerais pouvoir en ramener autant chaque nuit. Boris a cherché des provisions et a ramené des choses intéressantes. Alors, toi, tu vas te coucher. Toi, tu vas faire ça. Et là, je vais peut-être pouvoir améliorer quelque chose. Voilà, du coup, toi tu vas faire à manger, pour toi principalement. Hop, vas-y, fais-toi à manger, comme ceci. Hop, tu manges après. Parce que c'est cool de manger. Il faudra vraiment un thermorégulateur ou un autre four peut-être. Ouais, je pense que je vais faire ça à un autre four, ça pourrait m'être vachement utile. Je vais me faire d'abord des combustibles. Hop. Avec des livres. Attendez, je reviens. Tout va bien, je suis là. Excusez-moi pour ces petites interruptions, mais c'est ça d'avoir des chiens. Alors. Du coup. Je vais me refaire un poêle. Parce que ça chauffe pas, pas un poêle, mais un four. Non. Un chauffage, enfin bref. Ça. Voilà, je vais m'en refaire un. Même si c'était pas mon objectif, parce qu'il commence à faire vachement froid. Hop, voilà. Comme ceci, comme ça me permettra de chauffer doublement la pièce. Parce que là, 4 degrés ici, ça fait assez froid, je pense. Et après, j'irai me coucher. Alors, ah tiens, c'est quoi ça? Ah, je peux enlever la pelle et je peux faire un bonhomme de neige. Tiens. Allez. Hop, mets-en deux. Du coup, j'aurais besoin de beaucoup de combustible. Ça fait chier, ils aboient aussi dans le jeu, du coup ben, je sais pas, je sais jamais quoi faire. Alors nous pouvons faire fondre pour obtenir de l'eau. Oh! C'est génial! Ben, du coup tu vas faire ça vite fait. Du coup ouais, ça me permettra d'avoir pas mal d'eau. Et j'aurai même pas besoin de faire ça du coup. Le récolteur d'eau de pluie. Ça c'est cool qui change un petit peu le gameplay pour l'hiver. Toi c'est bon, tu dors. Le problème c'est que je reste pas assez longtemps réveillé. Du coup, s'il y a des gens qui frappent, s'il y a des événements, par exemple des gens qui arrivent, ben, je les vois pas. Donc c'est pour ça que je préfère rester. Là, je peux me faire un bonhomme de neige. Ça va peut-être te faire du bien, Boris. Youpi. Un bonhomme de neige. Bon, tu vas faire ça plus tard en fait. C'est long. Alors, du coup. Il fait 8 degrés dans la maison, c'est déjà mieux.
Mais ça ne. Ce n'est quand même pas fameux quoi. 8 degrés, c'est un petit peu froid entre nous. Hop, va te coucher. Voilà. Alors, tout le monde est au dodo, du coup je peux terminer la journée. Alors, à de légères blessures. Tu vas partir collecter. Toi, tu vas monter la garde. Voilà. Et là, je vais peut-être. Attends, là, il y a quoi? Beaucoup de nourriture, beaucoup de matériaux, quelques médicaments et quantité énorme d'armes. Alors, je vais retourner au chantier de construction, possiblement. Parce qu'il me semble que c'est le meilleur des trucs à faire. Nous risquons de tomber sur des patrouilles militaires. Est-ce qu'il y a des trucs à prendre? Non. Hop, allez. Il n'y a rien de spécial à prendre, sauf je vais prendre un crochet au cas où. Voilà. Un crochet et un couteau. Allez, juste un couteau. Je sais pas en fait. Allez, le crochet et le couteau. Voilà, comme ça c'est, je suis sûr. Et pour Pavel, ben, j'irai acheter des médocs au bout d'un moment. Vas-y. Du coup, je vais retourner là où j'étais. Donc là, je peux directement aller là-bas. Normalement, il n'y a pas de problème. Est-ce que j'entends des bruits quelque part? J'ai pas l'impression qu'il y ait des gens. C'est tant mieux parce que comme ça me permettra de fouiller la zone. Hop, voilà, là c'est les matériaux que j'avais laissés la dernière fois. Excusez-moi de pas beaucoup parler, mais j'écoute aussi le son de dehors parce que. Parce que voilà, y avait du bruit. Merde. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Et du coup, maintenant, je fais attention à ce qui se passe dehors. Parce que j'ai des chiens dont je dois m'occuper. Et du coup, s'il se passe un quelconque problème, c'est moi qu'on va accuser. Du coup, voilà. Hein, c'est pas génial en soi. Alors là, je peux passer par là-bas. Hop, vas-y. Qu'est-ce qui se passe ici? Oh, des matériaux. C'est ce que je veux. C'est ce dont j'ai besoin. Des matériaux et du bois. Tout va bien. Hop. Si je peux trouver des. Oh, yes. Et le crochet et le truc va me servir. De la nourriture. Là, mon pied de biche va me servir. Ce que je veux trouver, c'est des bandages. Ça serait vraiment le top pour Pavel, parce que là, il risque d'avoir une autre attaque, en fait. Parce qu'il y a une attaque à peu près tous les 2 jours. Oh, les munitions. Oh, les munitions, ça fait du bien. Alors, et un fusil cassé. Et une guitare cassée. Ok, bon, avec tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais... Non, non, repose pas les légumes. Les légumes, c'est bien. Tu vas prendre le fusil d'abord. Après, tu vas prendre la guitare. Comme ceci. Et puis, je pense que c'est à peu près bon. J'ai pris les balles parce que c'est ce qui me semblait le plus important. Voilà. Descends. Voyons voir mon sac à dos. Est-ce que je peux... Oui, je peux me remettre un petit peu de matériaux. Donc si jamais je trouve 2-3 matériaux, je peux les rajouter au tas. Donc là c'est génial niveau hop voilà comme ça là c'est bon là je peux plus rajouter plus rien non hop du coup là je vais essayer d'aller de l'autre côté là où je peux dégager la porte en fait hop là c'est ici comme ça là la prochaine fois je pourrais passer par là ça m'évitera de faire tout le tour par l'autre côté en fait. Allez, vas-y. Hop. Allez, cours vers la sortie. Vas-y, Boris. Bon, du coup, on a des balles. Ça nous évitera d'affronter les ennemis au couteau. J'ai reçu 6 balles. C'est génial.
Jour 29. Allez, dis-moi que j'ai été pillé, et puis voilà. J'ai trouvé plein de trucs vraiment chouettes. Quelle nuit! Ah non, j'ai pas été pillé cette fois-ci. Mais c'est génial! Boris a cherché des provisions, a ramené des choses intéressantes. Et c'est la fin de l'épisode, donc merci de m'avoir suivi. Nous nous retrouvons pour le prochain épisode dans 2 jours, parce que c'est tous les 2 jours que je poste, je pense que vous l'avez remarqué depuis le début. Du coup, c'était Harry Balls pour vous servir. Regarde. Et petit voilà. Et là, je vais visiter l'entrepôt. Voilà, j'ai pris un accent bizarre. Là, c'est pourquoi qu'est-ce qu'il y a par ici? C'est une partie de l'hôpital continue de mettre des patients à sauver des vies. Le chirurgien renommé qui assure la discipline.